Madame. Bon alors je fais bonjour, hein, je crois que je vous ai pas dit bonjour. Alors je fais une pause, j'en suis là. Bah alors par contre comment dire, je suis quand même hyper déçue parce que la livraison, j'ai pris 5 stères, donc ça m'a coûté 200 euros parce que c'est en bois de 1 mètre. Non pas 5, 4 stères, voilà, 4 stères pour 200 euros. Et voilà ce qu'on nous livre. Des petits trucs comme ça. Il n'y a pratiquement que de petits bois comme ça. Vous voyez ? Alors moi je suis un peu vénère quand même parce que l'année dernière j'ai fait rentrer 3 stères. Comment ? 3 stères. Pour combien j'en ai eu l'année dernière ? 3 stères, 250 euros. Mais je les avais pris en 50 cm. Et les rondins ? Elles étaient vraiment, vraiment le double, voire le triple de ça, en fait. C'était vraiment gros. Et je me demande si je me suis pas fait arnaquer, en fait, hein, parce que... Comment vous dire ? Je sais pas si je ferai l'hiver avec ça. Voilà. Ah, franchement, je suis dubitative. Hein. Honnêtement, c'est, il n'y a pas beaucoup de petits... Enfin, pas beaucoup de gros rondins, beaucoup de petits... Ouais, j'ai l'impression que je me suis fait avoir sur ce coup là. Oh là là, folie. Je. Puis je me dis, je sais pas si j'aurai le temps de rééconomiser en fait pour en racheter. Mais je crois que je passerai plus par lui. Puis en plus, il y en a du vert. Regardez là. Tac, tac. Oh la loose! Franchement, ouais, je crois que je vais reprospecter. Ben, ça sera pas pour cette année aussi, peut-être pour cette année. Mais ils ont intérêt d'avoir des plus gros que ça, quoi. En fait, hein. Regardez-moi ça. Bon, voilà, je vais aller cogiter, puis je vais aller vociférer dans mon coin parce que là, je vous avoue que je. Ça s'entend pas, mais je me dis, mais j'aurais dû lui dire de repartir avec son petit bois en fait. Hein. Oh là là là. Bon, bah, c'est tout. Je vais continuer à couper un petit peu, mais franchement, aïe aïe aïe, je passerai pas l'hiver avec ça. Ou alors, il va falloir que je sais pas, que déjà l'année dernière. J'ai pas énormément chauffé pour faire des économies, donc c'était vraiment des grosses couettes, des gros pulls et tout ça. Mais là, ça va être encore pire. Oh, puis l'autre tartuffe là, qui nous casse les cacahuètes, là, nous augmenter à tout bout de champ pour encore enrichir les gros de ce monde. Hein, je dis pas les gros, gros, hein, je parle de ceux qui s'en mettent plein les poches. Hein. On augmente tout, hein. Franchement, et puis nous, bon petit soldat, même pas petit soldat, hein. Eh ben on y va, hein. On dit amène à tout. Voilà, moi ça me. Comment voulez-vous que je ne sois pas révoltée ? Oui, 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 oui. Ça gronde chez moi, mais ça gronde. Aïe, 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 aïe. Bon, sur ces petites pensées philosophiques, hein, eh ben je vais aller un peu couper de la bûche. Pas longtemps, parce que je vais être encore à ras des pâquerettes. Bon allez, à tout à l'heure peut-être. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui, eh bien, on continue encore sur la lancée de la courgette, hein, j'en ai pas mal. Donc, je vais faire des roulés de courgettes au jambon et gratinés. Et en plus, ça partira aussi en partie pour la gamelle pépère éco-débrouille. Voilà. Ah. Allez, c'est parti, on y va.